Merci à tous, merci à la Fondation Flavien d'avoir pu créer une session enfin pédiatrique au Biennale de Monaco. C'est vraiment une belle avancée, on en est très heureux. Ouais, vu ta voix fluette, il faudrait... Comment ça, fluette? Monter un petit peu le son, s'il te plaît. Alors, on a beaucoup parlé de recherche fondamentale, de recherche clinique. Aujourd'hui, moi, je vais plutôt vous parler d'avancées technologiques. Parce que c'est vrai que souvent on sous-estime un petit peu les avancées technologiques qui peuvent nous aider à faire de grands bons. Aujourd'hui, je n'ai pas d'études vraiment particulières à vous montrer, mais surtout, je suis là pour discuter de l'avenir, pour vous présenter ce qu'on souhaite faire, ce qu'on va faire, notamment avec le docteur Doyen. Alors, rapidement, le plan, on va vous présenter notre activité depuis 2016, puisqu'on a ouvert la protonthérapie haute énergie en 2016, son développement. L'avenir, c'est l'acquisition du CBCT, grâce notamment à la Fondation, et puis les indications à venir, les indications qu'on souhaite développer grâce à cette acquisition de nouvelles technologies. Donc, comme vous le savez pour certains, les protons, finalement, c'est une bonne introduction du docteur Dutrex, on la remercie. C'est aussi une manière en fait, de protéger les tissus sains de l'irradiation. En effet, les protons, ce sont des particules donc chargées, positives, qu'on va utiliser et qui sont particulièrement utilisées en pédiatrie. Pour quelles raisons? Parce qu'elles ont un profil de dépôt de leur dose qui est tout à fait différent de celle des photons. Sur la courbe bleue, vous pouvez voir une courbe en photons donc qui va clairement très très bien déposer la dose au niveau de la tumeur, mais qui laissera quand même sa trace 20 à 30 cm derrière. Quand on voit la courbe rouge, donc qui est la courbe des protons, on voit que le profil de dépôt est tout à fait différent, avec notamment également un très bon dépôt de dose au sein de la tumeur, mais derrière, par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de dose, pas de trace de dose, et c'est là tout l'intérêt de l'utiliser, notamment en pédiatrie, pour épargner les organes à risque autour, et qui pourrait tout à fait compléter du coup les travaux du docteur Dutrex. Ici, vous le voyez donc en image. À gauche, vous avez un traitement en photon X, où on voit qu'effectivement, on traite extrêmement bien la tumeur, mais que juste derrière, au niveau du rachis thoracique, on a encore de la dose. Ici, exemple avec des protons, pareil, on va excellemment très très bien traiter la tumeur, mais derrière, par contre, il n'y a plus de dose. Et là, ça devient intéressant, notamment pour les tumeurs qui sont mal positionnées, près du cœur, au niveau encéphalique, etc. Pour l'instant, dans le monde, il y a encore peu de protonthérapie. Pour quelle raison? Parce que les protons, c'est cher, c'est difficile à développer, c'est difficile à produire. En France, nous, on a quand même la chance d'avoir 3 centres de protonthérapie. On a donc Orsay, Caen et Nice. Nous, on s'est développé, donc on est là quasiment depuis 30 ans. On était le premier centre à traiter en protonthérapie. On a commencé avec des tumeurs très superficielles, qui sont les tumeurs de mélanome oculaire, grâce à un accélérateur, donc du coup, qui était pour le coup fait maison par nos ingénieurs, qui ont développé cet accélérateur. Par contre, son inconvénient, c'est vrai que c'est une grosse machine qui prend énormément de place et qui pouvait uniquement traiter les tumeurs jusqu'à 3 cm. Au-delà de ça, on ne pouvait pas y aller, nous ne permettons pas du coup de traiter les tumeurs profondes, par exemple ne serait-ce que cérébrales ou encore pelviennes, thoraciques, etc. Depuis 2016, on a donc fait une nouvelle acquisition, la protonthérapie haute énergie, donc le Proteus One, qui est un premier accélérateur nouvelle génération, donc on était les premiers au monde à acquérir ce système. Son intérêt, c'était d'être vraiment plus compact pour avoir une idée de la différence. On va dire que la précédente protonthérapie de 91, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Et puis celle-ci, c'est plutôt l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc ça reste quand même très très gros, très coûteux, toujours compliqué à produire, mais il y a quand même une vraie avancée technologique. La deuxième avancée technologique, évidemment, c'est le traitement des tumeurs profondes. Et donc pour nous, finalement, la possibilité de traiter des enfants et des adultes autre que des tumeurs oculaires, ce qu'on faisait jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'indication en protonthérapie, elle est assez large, notamment au niveau de la HAS. Elle permet de traiter toute tumeur de l'enfant en protonthérapie. Or, la réalité, elle est bien différente, et notamment à Nice, puisque en raison de limitations techniques et technologiques, jusqu'à présent, on ne pouvait traiter que les tumeurs cérébrales, les tumeurs ORL localisées et les pelvis. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu notre activité depuis 2016 et nos évolutions, et puis ensuite on parlera du coup de l'avenir. Donc depuis 2016, premier patient adulte traité en septembre, 2 mois plus tard on traitait un enfant, on a bien évidemment commencé par traiter des tumeurs de l'encéphale car plus accessible, plus simple, et puis quelques mois plus tard, en avril 2017, on a pu commencer à traiter les pelvis. Depuis, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant, on a traité 224 patients
dont 72 enfants. Ça représente du coup 32% de la population traitée en protonthérapie haute énergie. En réalité, on devrait traiter plus, on espère traiter plus, et on espère que justement, avec cette acquisition, on pourra traiter encore plus. Ces patients, ils sont originaires essentiellement de la région Grand Sud-Est, et inclut Nice, donc Nice bien évidemment, Lyon, Marseille également, Montpellier, et bien sûr, on a un recrutement international. Trois grandes tumeurs qui sont essentiellement traitées en protonthérapie haute énergie, ce sont bien évidemment les méduloblastomes, les rhabdomyosarcomes, donc en particulier les rhabdomyosarcomes de l'orbite, et les ependymomes. Depuis 2016, on s'est quand même développé, on avait quand même pas mal de choses à faire, donc on a fait beaucoup plus de choses. En partant donc de l'encéphale et du pelvis, on est arrivé jusqu'à pouvoir traiter maintenant certains membres, notamment les bras. On a pu mettre en place d'autres systèmes de calcul qui ont perfectionné le traitement, notamment la mise en place du système de calcul de Monte-Carlo, qui nous permet une plus grande précision quant aux tumeurs qui sont situées entre les tissus mous et l'air. Notamment, par exemple, le traitement des sinus, qui nous permet du coup aujourd'hui d'améliorer vraiment la distribution de la dose sur ces tumeurs-là. On a pu grimper aussi au niveau du pelvis, on a réussi à monter jusqu'en lombaire. Aujourd'hui, on a traité quelques tumeurs lombaires avec succès. Et depuis, je crois, cette semaine, on a pu mettre en place le premier traitement en IMPT. Donc c'est de la protonthérapie avec modulation d'intensité, qui est donc du coup vraiment clairement le miroir de la photonthérapie avec modulation d'intensité qu'on utilise tout à fait en routine habituellement, mais qui en proton apporte du coup les bénéfices de cette particule. Ici, vous avez donc un exemple de ce qu'est l'IMPT. Vous voyez qu'avec la technique conventionnelle de traitement en protonthérapie, qui est la SFUD, on va très bien traiter la tumeur, avec plutôt des formes assez géométriques. Donc, ce sont les images du haut. Et donc, lorsqu'on va mettre en place l'IMPT, donc, c'est un petit peu différent. Ça nécessite plus de faisceaux et une technique particulière qui va permettre pour chacun des faisceaux de traiter qu'une seule partie de la tumeur et pas toute la tumeur comme c'était fait en SFUD. Permettant donc d'aller creuser les isodoses et notamment par exemple ici d'aller creuser en regard du tronc cérébral qui est effectivement un organe très important à la vie. Depuis, on a beaucoup avancé et puis on avait encore envie d'avancer mais on avait besoin de technologies, des technologies qui ne sont pas si simplement accessibles et qui nécessitent des financements et donc pour avoir ces financements on a participé au prix innovation thérapeutique du Conseil général des Alpes-Maritimes. Tout ça bien sûr avec le soutien de la Fondation Fabien qui est toujours avec nous depuis le départ, de la mairie de Cap-d'Ail et notamment de Xavier Beck. Et puis bien sûr, on a eu ce prix, vous l'avez compris. Et donc on en remercie le Conseil Général des Alpes-Maritimes pour celui-ci. Ce prix Il va nous permettre l'acquisition d'un CBCT. Un CBCT, c'est un Cone Beam CT, en fait c'est un scanner embarqué à la protonthérapie. Ce scanner, il va nous permettre de développer de nouvelles indications par rapport aux imageries qu'on avait auparavant. Avant que chaque séance, pour chaque patient, on va réaliser des imageries pour vérifier qu'on l'a bien positionné. On recommande un positionnement inframillimétrique, ce qui est très facilement faisable avec des radiographies simples au niveau de la tête, du coup, du rachis cervical haut et du pelvis, mais pour les autres localisations, on était assez limité. Avec l'acquisition de ce CBCT, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle des scanners low dose, en fait, permettant du coup de vérifier au mieux le positionnement du patient et nous permettra aussi de faire du coup des positionnements inframillimétriques comme on peut le faire avec des radiographies dans d'autres localisations. Ces autres localisations, ce sera donc le thorax et l'abdomen. En plus du recalage osseux, ça va nous apporter aussi d'autres choses, plutôt cliniques dans ce sens-là, puisqu'en effet, on va utiliser toujours le recalage osseux, mais on pourra vérifier également soit le parenchyme cérébral, soit les tissus mous. Ça nous permettra du coup de visualiser clairement la tumeur, de vérifier qu'elle a soit diminué, soit grossi, et éventuellement d'adapter notre traitement. Donc grâce à l'acquisition de ce CBCT, on commence enfin à rêver, et puis surtout on commence enfin à penser aux indications à venir et aux nouveaux enfants qu'on pourra traiter. Pour nous, on pense essentiellement aux tumeurs paraspinales, incluant du coup les néophroblastomes, les neuroblastomes bien sûr. Évidemment, une bonne indication de traitement pour le méduloblastome, la maladie de Hodgkin et certains sarcomes en fonction de leur positionnement. Concernant le méduloblastome, il est vrai que pour nous, la protonthérapie, elle conserve un réel intérêt, notamment depuis la sortie de ce JCO en fin d'année 2019,
qui confirmaient l'intérêt de la protonthérapie dans ce type de pathologie, avec une augmentation, une amélioration plutôt des toxicités neurocognitives secondaires à l'irradiation. Vous savez que le traitement du méduloblastome, pour la partie radiothérapie, inclut une irradiation crânio-spinale suivie d'une irradiation du lit opératoire. Malheureusement, ces deux types d'irradiation vont être source notamment de toxicité neurocognitive, avec un déficit en termes de QI, un déficit sur la mémoire, etc. Cet article a pu comparer deux groupes de traitement, des groupes plutôt similaires. La seule petite différence, il faut avouer, parce qu'il existe une différence entre les deux groupes qui ont été comparés, c'est une différence de dose et de taille de champ. En effet, dans le groupe qui a été, donc, on a comparé un groupe en photon X, donc radiothérapie standard, on donnait plutôt une dose moyenne de 55,8 grays, versus dans le groupe protonthérapie, une dose moyenne de 54 grays sur le boost. Donc ça, c'est la première différence. Ça reste une différence qui est assez faible, ça veut dire une séance de différence. C'est vraiment très très peu. Deuxième différence, c'est sur la taille du lit opératoire. Dans le premier groupe où on utilisait des photons, c'était un lit opératoire avec 1 cm autour. Dans le deuxième groupe, il y avait 62% qui avaient un lit opératoire avec 1 cm et 38% avec un lit opératoire avec 0,5 cm autour. Donc c'est un volume un tout petit peu plus petit et je suis obligée de vous donner ces éléments pour réfléchir. En tout cas, quoi qu'il en soit, même en prenant en compte ces éléments-là, on a pu observer une différence significative en termes de QI global, en termes de raisonnement, de mémoire de travail et aussi de vitesse de process intellectuel. Donc vous pouvez le voir qu'ici, il n'existe pas de différence, en tout cas, il n'y a pas de diminution globale du QI sur 5 ans avec les protons versus en photons qui sont les courbes rouges. Il n'y avait pas de différence, par contre, sur le raisonnement verbal. Il y avait, il manque un petit bout de ma diapo, une différence sur le raisonnement, essentiellement sur le groupe proton. Pareil sur le groupe, sur la mémoire de travail, avec une différence significative, notamment donc par rapport au groupe standard, par rapport au groupe proton, en faveur des protons. Par contre, effectivement, sur la rapidité de process, il y avait une décroissance dans les deux groupes, que ce soit proton ou photon, impliquant probablement d'autres process, notamment toute pour la partie sustentorielle qui doit être un peu plus impliquée dans ce process-là. Les autres tumeurs auxquelles on pensait, donc notamment les tumeurs spinales, là-dedans on inclut bien sûr les neuroblastomes et les neuroblastomes. Donc ici vous avez les différences entre trois traitements. Donc en haut vous avez une radiothérapie conventionnelle 3 dimensions, toute simple, de faisceaux antéro-postérieurs. Au milieu, vous avez une irradiation photon X avec modulation d'intensité. Et enfin, en bas, vous avez une irradiation en protonthérapie avec modulation d'intensité. On voit effectivement que de la radiothérapie conformationnelle 3 dimensions à la modulation d'intensité, ne serait-ce qu'en photon X, on gagne déjà énormément, puisque vous voyez que ces isodoses-là se sont quand même énormément rétrécies. Maintenant, si on passe à l'IMPT, vous voyez qu'on gagne encore énormément, notamment ici sur le foie et le tissu digestif pour ce neuroblastome, et la même chose également pour ce neuroblastome. On gagne également ici sur le rein, où on arrive à mieux creuser, mais on creuse clairement tout aussi bien qu'en photon X. Dernière localisation qu'on souhaite développer, il manque le titre, mais ce sont les lymphomes de Hodgkin. Pour quelles raisons on souhaite développer les lymphomes de Hodgkin? Puisqu'en 2018, à l'ASCO, on a discuté, on a pu avoir une étude sur les longs survivants après irradiation de lymphome hodgkinien de jeunes filles. Vous savez que les jeunes filles qui ont un lymphome hodgkinien qui ont été irradiées dans l'enfance vont présenter plus de cancers du sein et on s'est intéressé à ces cancers du sein. On a comparé ces jeunes filles qui présentaient un cancer du sein après irradiation, donc il y avait eu un lymphome hodgkinien, à des jeunes filles qui présentaient un cancer du sein sans avoir d'antécédent d'irradiation. On a comparé les deux groupes et en comparant ces deux groupes, on s'est aperçu qu'effectivement, la survie globale des jeunes filles qui avaient été irradiées dans l'enfance, qui avaient eu ce lymphome de Hodgkin, était plus basse. On s'est demandé si éventuellement c'était lié à une agressivité plus importante de la tumeur. Pas du tout, les groupes étaient strictement similaires en termes de taille de tumeur, en termes d'histologie, de chirurgie, de prise en charge, etc. Tout était vraiment complètement similaire. On a comparé du coup les survies spécifiques, donc les survies liées au décès particulier du cancer du sein. Elles avaient des survies spécifiques qui étaient similaires. On s'est donc aperçu qu'en fait, ces jeunes filles, elles mouraient plus fréquemment, mais plus fréquemment en fait de toxicité cardio-pulmonaire qui était du coup secondaire à l'irradiation dans l'enfance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se dit qu'effectivement,
Le lymphome Hodgkinien, c'est pareil, c'est une super option et on pourra probablement le traiter grâce à ce CBCT. Ça nécessitera probablement de mettre en place d'autres technologies, notamment du gating, etc. Enfin, tout ça, c'est avec le docteur Doyen pour cette partie-là. En tout cas, ça parle très clairement en image. À gauche, vous avez donc le traitement en radiothérapie par modulation d'intensité en photon X, qui est aujourd'hui la meilleure type de radiothérapie qu'on puisse proposer en photon X. Et à droite, vous avez un traitement en protonthérapie. Vous voyez que grâce au traitement de protonthérapie, on va gagner bien sûr sur les poumons, on va gagner sur le cœur, comme vous pouvez le voir, mais également sur les glandes mammaires, qui sont pourvoyeuses, vous avez compris, de second cancer. Donc toutes ces prouesses technologiques, on est content de les acquérir. Ça nécessitera quand même beaucoup de travail de mettre en place l'ensemble de ces indications. C'est du travail de physicien, mais c'est aussi du travail médical. C'est du travail de collaboration, puisque vous l'avez compris, on collabore avec le Grand Sud-Est. On travaille avec Lyon, on travaille avec Marseille, on travaille avec Montpellier. Et c'est sûr que c'est l'ensemble de ces efforts et l'ensemble des équipes qui pourront nous aider à mettre en place tout ça. En tout cas, je pense qu'on remercie encore la Fondation Flavien de son soutien. Et on est très heureux de pouvoir innover technologiquement. Voilà. Merci. Merci beaucoup Audrey pour cette superbe présentation. Je pense qu'on a... Je vous autorise une question, sinon c'est... Ah oui. Chirurgien de l'équipe. Merci. Donc moi je travaille à Lyon. J'ai une petite réflexion et une question. Sur le fait de l'acquisition du scanner, et vous dites que ça vous permet de regarder si la tumeur évolue. Vous allez vraiment vous baser sur le scanner pour voir si ça a grossi ou pas, ou si vous voyez que ça a grossi, vous allez lui faire une IRM. On fera toujours une IRM. C'est-à-dire qu'au moment de faire. Mais c'est vrai que c'est une bonne indication. Ça nous permet de voir si on. Parce que la problématique de la protonthérapie, c'est que c'est un traitement du coup qui est extrêmement précis. Et dès lors que la tumeur sort des champs, on est. Justement, mais du coup, comme le scan va être fait juste avant que vous allez tirer, globalement, si vous allez voir que ça a grossi, vous n'allez pas tirer. Vous allez sortir l'enfant, vous allez faire l'IRM et vous n'allez pas vous servir du scanner pour. D'accord. Non, okay. C'est une indication, c'est un plus, entre guillemets, qui va nous permettre. Et la deuxième question, c'est une question. Les cas de nécrose du tronc qui a été décrit par les Américains, c'est avec les protons dans les méduloblastomes. Oui. Et du coup. Parce que Lynn, elle nous en parle beaucoup. Oui, je sais, c'est le dada de Lynn. Voilà. Comment ça se passe dans votre grand monde de radiothérapeutes pédiatres pour, du coup, parce que ça a été décrit aux États-Unis. Aujourd'hui, les radionécroses, elles ont essentiellement été décrites dans les épendymomes. Et c'est là où, aujourd'hui, on émet encore une réserve et on n'a pas encore clairement répondu à la question à comment on gère les épendymomes. Est-ce qu'on ne fait plus du tout traitement proton? Est-ce qu'on propose un traitement panaché? On en a discuté justement cette semaine, associant des photons et des protons, ce qui permet du coup de gratter un petit peu sur les neurotoxicités en fait, de la photonthérapie et limiter le risque de radionécrose. Ou est-ce qu'on fait que des photons? Honnêtement, on n'a vraiment pas clairement répondu à la question. La deuxième chose que j'avais à dire, c'est que sur les articles parlant de ces radionécroses, il est vrai qu'en protonthérapie, on observe plus de radionécroses à l'imagerie. Par contre, pas forcément plus parlante au niveau clinique. Et c'est pour ça qu'il faut quand même y aller avec réserve. Il y a d'autres choses aussi qui entrent probablement en compte et on n'a pas clairement répondu à tout ça, c'est notamment le positionnement de nos faisceaux. On se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à la position et à la fin de nos faisceaux qui pourraient éventuellement terminer dans le tronc. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout à Nice et qu'on prend toujours en compte. On va du coup toujours éviter de terminer dans le tronc parce qu'on sait que c'est la queue du proton, la queue en fait de ce pic de Bragg qui souvent en fait a ce qu'on appelle un EBR, donc un effet biologique relatif qui est plus important qu'au niveau du pic standard et qui pourrait du coup être responsable de ces radionécroses. Parce que quand il reste du médulo, c'est sur le plancher du quatrième et donc c'est la galère pour parce que c'est pile dans. Enfin c'est à la lisière quoi. Mais en fait, l'histoire de la radionécrose, donc c'est un problème mondial. Il y a eu des décès en fait toxiques à Jacksonville. Après proton, mais ça existe aussi après photon en fait. D'accord. Et il y a un procès qui a été fait au proton. Et par mesure de précaution, du fait de cette incertitude biologique en fin de faisceau, on s'est dit, à Nice en tout cas, on arrête de traiter les patients où on va prendre beaucoup de précautions et faire des panachés photon-proton.
Et je sais qu'à Curie, ils continuent à traiter sans problème. À Essen, qui ont quasiment le même faisceau que nous en Allemagne, ils en traitent énormément, un ou deux par semaine. Ils vont, je pense, sortir bientôt une grosse cohorte, une très très grosse cohorte de 100 à 150 patients, qui, je pense, va nous rassurer, parce qu'à ma connaissance, ils n'ont aucun décès toxique. Et ces fameuses... un effet de... Ouais, bah, public, c'est... Oui, mais c'est vrai que ça fait biologiquement, enfin sur la dosimétrie, ça fait un peu peur, mais sur l'écran, mais en pratique, peut-être qu'il y a aussi un gros biais dans les études où il y a plus de radionécrose, parce qu'on adresse plus de grosses tumeurs aux protonistes, parce qu'on se dit, oulala, en photon, je ne vais pas y arriver. Donc c'est tant qu'il n'y a pas des trucs randomisés, bien appareillés, on ne peut pas dire. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de grosse catastrophe. Et juste voilà. Pour préciser sur la précédente question, concernant les variations tissulaires en cours de proton, on le prend en compte sur les ordinateurs, car en fait, le logiciel va simuler en fait un changement de densité de 3 à 5 %. S'il y a un petit métal, on va dire 7 %. Donc on va quand même traiter, même si on voit un changement de densité, on ne se trompe pas beaucoup, parce que les logiciels de protons, de calcul, sont très très forts, beaucoup plus forts que les photons. Ça s'appelle l'optimisation robuste, et ça permet en fait de prendre en compte ces incertitudes, que bien sûr, on va corriger après avec un nouveau scan, etc., une nouvelle IRM, mais sans forcément devoir arrêter à tout prix, quoi. Voilà. Je crois qu'on doit passer au topo suivant.